Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scoopon. En tout cas, c'est de tous abonner à abonnez-vous, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer de ce moment de prochaine vidéo. Et si vous voulez faire des dons, en tout cas, c'est de se trouver toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Vous pouvez faire des dons via PayPal ou Western Union. Wow, mes frères et sœurs, ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, ça va vous sauver la vie. Ça va vous aider. Ah, vous allez comprendre aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous attacher aux choses du monde des ténèbres? Pourquoi Dieu lui-même nous demande de ne pas nous affectionner aux œuvres du monde de Satan, aux œuvres du monde des ténèbres? Ou encore de ne pas parler aux morts? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous savez que ça existe? Parler aux morts, les gens qui cherchent à parler avec les esprits. Vous allez comprendre aujourd'hui. Soyez prêts. Soyez prêts! Let's go! Ouh! C'est comme ça, c'est pas si bien, c'est bon. Sautez un peu. Un vrai chrétien, il est toujours chaud. Yeah! Wow! Cette histoire va vous étonner. Ça va vous étonner, mais c'est vrai. C'est un témoignage d'un ex-sataniste. Il s'appelle Paul Kalemba. Il se trouve sur Nyon Scribon en ce moment. Wow! Il dit qu'un jour, il y a eu décès. Un jeune comme vous et moi, il a perdu son frère. Son frère qui l'aimait tant. Il aimait tellement son frère que quand il a perdu, il s'est mis à pleurer. Il pleurait même jusqu'à sur la tombe là-bas, il continuait toujours à pleurer. Quoi? Pleurait seulement. Il ne cessait pas de pleurer. Et lui, celui qui a rendu le témoignage, que c'était sataniste. Il nous a dit que lui, il a remarqué, depuis le monde des ténèbres, il pouvait voir cet homme en train de pleurer ou sur la tombe de son frère. Ah! Donc, lui, quand il a vu ça, il est descendu physiquement. Il est allé au cimetière là-bas et il a rencontré ce jeune en question. Il a posé la question de savoir, dis-moi, mais pourquoi pleures-tu? C'est cette question qu'il lui a posée. Mais pourquoi pleures-tu? Il lui a dit, c'est mon frère est mort. J'aime trop mon frère. Il est décédé. C'est pourquoi je pleure. Ah! C'est pourquoi tu pleures? D'accord. Laisse-moi te dire que ton frère, là, il n'est pas mort. De quoi parles-tu? Il est mort. On vient de l'enterrer. Toi, tu dis il n'est pas mort. Il ne faut pas me faire encore pleurer, hein, encore plus, hein. Il dit, ton frère, là, il n'est pas mort. Il est ici. Quoi? Il n'est pas mort. Bon, voici ce que nous allons faire. Donne-moi un peu d'argent et il faut te préparer tel jour. Nous allons aller dans un endroit. Sois prêt seulement. Sois prêt! Il dit, ok, moi j'ai envie de revoir mon frère. Je suis prêt à tout. Il a préparé cet argent-là et il l'a amené à qui? À cet homme-là. Ce texte aussi qui nous raconte ce témoignage, c'est réel. C'est réel. Pour ceux qui doutent encore là, vous pouvez douter, tout le monde peut douter. En tout cas, c'est celui qui croit qui sera sauvé. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui croit là, c'est lui qui sera sauvé. C'est comme ça, c'est la règle de la vie. Il y a des gens qui vont croire, il y a d'autres qui ne vont pas croire, mais c'est celui qui va croire qui sera sauvé. C'est comme ça. Ah! Et ce jeune a rassemblé tout ce qu'il faut. Et il est venu voir maintenant. Ce texte sataniste là. Ce texte sataniste lui a dit, c'est à minuit ça va se passer. Et l'endroit où on va se rendre là, quand nous allons arriver là-bas là, faut faire exactement ce que je te dis de faire. Faut pas faire autre chose. Tu vois cette branche de bananier qui se trouve là. Cette branche de bananier là. Faut couper cette branche de bananier là et suis-moi. Et quand nous allons arriver là-bas là, quand tu vas voir ton frère, parce que dans le monde où on va aller là, c'est pas un monde qui se trouve sur la terre, c'est dans un autre monde. Quand tu vas voir ton frère là-bas, faut pas laisser cette branche de bananier là. Faut toujours avoir cette branche de bananier là, comme ce que j'ai en main là. Faut toujours avoir cette branche de bananier là dans ta main comme ça. Il faut pas le laisser, faut pas le lâcher. Jusqu'à la fin, faut pas le lâcher. Il dit oui, il a compris. Ok. Et quand ils sont arrivés, à minuit, quand minuit est arrivé,
et qui sont arrivés à l'endroit qu'ils ont choisi là. Ils ont fait un voyage mystique pour aller dans un autre monde, dans un autre monde où il y avait la réunion des sorciers. Et là-bas, ils pouvaient voir, le monsieur là, ils pouvaient voir des éclairs apparaître là-bas, des gens descendent après des éclairs. C'est qui? C'était des sorciers qui descendaient comme ça. C'est-à-dire quand eux doivent descendre dans leur monde des sorciers là, ils descendent sous forme d'éclairs là-bas. Boum! Et ils atterrissent. Un peu comme dans les films. Quoi? Tout ce qu'on nous montre dans les films, c'est vrai. Quand il a vu ça, il a eu peur. Il lui a dit, attention, faut pas avoir peur. Faudrait pas qu'on te remarque ici. Faut être très discret. Faut pas avoir peur. Et quand ils étaient là, ils arrivaient, ils marchaient un peu petit à petit. Et ils arrivaient à un moment, à un endroit. Et son frère là, c'est son frère qu'ils ont cru qu'il était mort là. C'est lui qui l'a vu en premier et qui l'a appelé. Baston! Il a entendu son nom et il a vu son frère. Tellement il était content de voir son frère qui était mort là. Qui est censé être mort là. Il a couru pour aller où? Sur son frère. Pendant qu'il courait là, il a laissé cette branche de bananier là comme ça, à terre. Il a oublié. Oh, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Dès qu'il est arrivé net et qu'il voulait embrasser son frère à tout comme ça, l'embrasser, il est passé au travers de lui. Il passe son temps à faire ça. Il essaie encore deux fois. Il passe au travers de lui. Il essaie plusieurs fois. Il passe au travers de lui. Ah! Il voit son frère. Les deux se voient, mais il ne peut pas le toucher. Oh, il a laissé cette branche de bananier là. Et voici que ça lui a créé un problème. Il est resté comme ça toute la nuit à faire genre comme s'il voulait embrasser son frère. Le matin, il s'est réveillé là. Mais le matin est venu, le jour s'est levé là. Même tous les satanistes, même les sorciers ont commencé à quitter le monde là. Lui, il est resté toujours dans cet endroit là, en train de faire quoi? Chercher à embrasser son frère. Toujours. Il cherchait à embrasser son frère. Tout le temps. Quoi? Et quand les gens le voyaient, on le voyait comme un fou. Et effectivement, il était devenu fou. Il est resté là fou. Ça veut dire que les trucs mystiques là, quand vous allez faire les trucs et vous ne vous respectez pas ce qu'on vous a demandé de faire, la folie peut venir ou la mort. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous attacher à cela. Et le monsieur là, il est resté fou. Tous ceux qui sont dans le quartier là, ils le regardent. Ah! Mais pourquoi lui là, cet homme là, quand il marche jusqu'à arriver à tel endroit, il s'arrête et puis il fait comme s'il veut embrasser son frère. Comme s'il veut embrasser quelqu'un. Pourquoi il fait ça? Les gens du quartier ne savent pas pourquoi. Mais c'est le sataniste là seul qui est au courant de cela. Et c'est lui qui nous a rendu ce témoignage pour nous dire. Pour nous dire que si quelqu'un est mort, si vous avez perdu quelqu'un, et une autre personne veut vous dire, viens, je vais te montrer où se trouve telle ou telle personne qui est décédée, tel membre de ta famille qui est décédé, viens, tu as accusé la personne. Fais attention, c'est un ennemi, c'est Satan qui fait ça, c'est le diable qui fait. Pour vous compliquer la vie, pour vous conduire à la mort, c'est le diable Satan qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Ah, faites attention, n'y allez pas, c'est dangereux pour vous. Et si vous avez des problèmes là, ne cherchez pas à aller chez les féticheurs. Parce que quand vous allez chez les féticheurs, dès que vous entrez chez les féticheurs, vous franchissez là leur porte nette, que vous êtes là-bas là, dans le monde des cimetières ou encore dans le monde des ténèbres, on écrit votre nom. Et partout où vous irez là, eux, ils vont savoir directement où vous êtes. C'est comme si vous leur avez ouvert une porte et eux peuvent facilement entrer chez vous. Entrer en vous. Et si vous ne vous êtes pas confessé devant les hommes de Dieu ou devant vos frères hommes de Dieu et que vous mourrez dans ça, vous n'irez pas au paradis. Parce que vous êtes allé déjà dans un monde. Il faut qu'on fasse votre délivrance. Dans le monde, si vous allez dans un féticheur, pour faire quoi que ce soit là, c'est le moment de courir et d'aller chez un vrai homme de Dieu, de confesser. Il faut te confesser. Il faut dire à l'homme de Dieu ce que tu as fait. Ce que tu as fait là-bas. Il faut lui révéler tout ça. Parce que si tu ne lui dis pas tout ça que tu meurs, tu iras à l'enfer. Attention, mes frères et sœurs. Attention. Ces choses sont plus réelles que réelles. Soyez prêts. Soyez prêts. Les féticheurs, là, ce sont des agents de Satan. Et le monde des fétiches, c'est un monde compliqué. Ne cherchez pas à causer avec quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort. C'est dangereux pour vous. Soit vous allez devenir fou si vous avez fou, si ça échoue, soit vous mourrez à la place de cette personne. Be careful. Attention. Attention. Attention.
que celui qui a des oreilles entende. Celui qui a des yeux pour voir, voie la vérité qui se trouve dans cette histoire. C'est un ex-sataniste qui a raconté cette histoire. Nous ne faisons que reprendre ce qu'il a dit en l'adaptant à la situation et ajoutant quelques éléments pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est tout. Maintenant, toi qui regardes ce témoignage, si tu es touché par ça, laisse un like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et nous disons au passage, merci à tous ceux qui feront des dons. Que Dieu lui-même vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo sur Nuance Reborn. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt. Jésus. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège.